insanlar tous petits pour me regarder. Chacun voudrait faire revenir un défenseur latéral qui a évolué au Bayern et qui évolue actuellement à l'Olympiakos. Rafinha, Rennes négocie pour l'arrivée de Jean-Paul Bocuse. C'est un milieu offensif, il évolue à Mayence. Al-Shabab a fait une offre pour un prêt de 18 mois. Va faire un prêt pour 18 mois pour Aubameyang, Arsenal et le Real Madrid sont d'accord pour un prêt de Martino Ødegaard. C'est un prêt payant de 2,8 millions d'euros. Modric va prolonger à Madrid. L'attaquant argentin pourrait être prêté par le SCL. L'attaquant argentin Adolfo Gheorghe pourrait être prêté par le CSKA Moscou à Antwerp. Alexander Corin a signé à la Fiorentina pour 4 millions d'euros en provenance du Sparta Moscou. Et j'ai vu Di Francesco prolonger sur le banc de Cagliari pour 2 ans. Galatasaray, il va se faire prêter à Ali Ibrahim. Dervişoğlu, c'était un attaquant de Brentford qui a été prêté jusqu'à cet hiver. Au FC Twente, on évoque un prêt de 1,5 million. Axel Bamba de qui évolue avec FC Paris, intéresse Saint-Étienne, mais aussi l'Eintracht Bergame et aussi Utrecht, ainsi que le Feyenoord Rotterdam, Anderlecht, Prêt au jeune. C'est un défenseur, il prête à Charleroi. Adam Amen Moussa va s'entraîner avec West Bromwich Albion, qui s'y promet tout près de revenir au Sparta Moscou. On évoque une somme de 12 millions d'euros pour l'Ajax du Spartak. Lampard ne voulait pas se faire prêter le jeune Billy Gilmour de Chelsea. Et enfin, Mesut Özil est bien arrivé au Fenerbahçe. Suivez-moi sur ma West Ham. Et toujours sur Hudson-Édouard du Celtic Glasgow. Il est évalué à 35 millions d'euros, mais il préférait rejoindre un club plus huppé. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.